Bonjour à tous, ici Kanetan. Aujourd'hui, on va voir comment on utilise ma tour de siège. Donc, voici le prototype. Hop. Le pont-levis, quand vous allez recevoir sur le workshop, il ne sera normalement pas configuré, c'est-à-dire que les cordes seront détachées, etc. Et donc, je vais vous apprendre rapidement à les rattacher pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. Alors, le workshop. Hop. La tour de siège. Et donc, on la fait apparaître. Donc, surtout, vous ne devez pas faire apparaître la tour de siège sous terre, comme ça, là. Si les roues sont sous terre, comme ça, quand vous allez la faire apparaître, les roues vont exploser. Puisqu'en fait, le poids est vraiment trop lourd. Et donc, il faut que vous soyez juste un peu au-dessus du sol. Donc là, voilà. Là, c'est parfait, normalement. Okay. Donc, là, faites attention parce que... mettez des bouts de bois... Donc ici là et devant pour éviter que votre tour de siège, enfin ma tour de siège, ne roule et s'en aille parce que j'ai déjà fait tomber dans le ravin. Donc ensuite vous enlevez ce bout de bois là, bam. Et ensuite donc voici l'intérieur, vous aurez le temps de visiter et de l'améliorer si vous voulez. Et donc vous devez pour commencer, vous voyez cette croix là et cette croix là, elles doivent être pareilles en termes de positionnement. Par exemple, si celle là est un peu comme ça, vous devez la remettre normale, quoi. Pour que votre corps soit en le ça, pour que ce soit bien horizontal. Voilà, quand les deux roues sont horizontales, normalement de base elles sont horizontales, donc il n'y a pas besoin de bouger. Ensuite, vous allez chercher. J'ai bougé un peu. Je l'ai bougé un peu. Bien se coller au mur, ce que je n'ai pas fait. Là, voilà. Alors, vous vous collez bien au mur, vous vous reculez. Et donc, on doit commencer par le. On va commencer par le haut. Sans ça, ça change pas grand-chose, je crois. Là, vous attachez le haut. Essayez de pas cogner. Hop. Ensuite, ah, vous voyez, donc là ça s'est un peu décollé, donc c'est pas super. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si ça marche quand même. Donc, hop. J'ai un peu votre corps, je pense que ça se fait, voilà, comme ça. Voilà. C'est bien. Ensuite, vous devez attacher les deux ropes ici là, les deux corps plutôt, puisque en anglais c'est fort que moi. Non, je rigole. donc voilà, vous allez ici. Et donc si vous appuyez sur votre touche utilisée, ça va détendre la corde. Donc vous devez utiliser la touche AVHC. Et donc vous appuyez sur Shift et la touche utilisée que vous avez configurée. Marche. Et n'y allez pas trop fort parce que sinon le pont levier va revenir de ce sens. Si vous voulez, vous pouvez attacher des ça là pour que ça évite de faire ça ici là. Et vous pouvez faire ça, et puis donc si vous tirez la corne, ça se bloque ici pour éviter que le pont levier revienne, comme vous voulez. Mais moi je trouve ça assez moche. Aïe, non, j'ai détaché la corne. Enfin voilà. Hop. Hop. Bam. Attaque. Attaque, j'ai dit. Ah, donc il faut peut-être mettre une petite marche ici. Ah voilà. Donc, vous pouvez le configurer comme vous voulez. Et puis voilà. Donc j'espère que ma création vous a plu. Si vous avez bien aimé, etc., vous me le dites. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Merci à vous.